Erev Tov les Koulam. Ben non, c'est pas Erev Tov. Erev Tov, Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Est-ce que nous avons la possibilité de maîtriser nos pensées? Nous avons non seulement la possibilité, nous avons le devoir de maîtriser nos actions, nos paroles, mais est-ce qu'il est possible de maîtriser nos pensées également? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce Tania du jour que Dieu nous offre sur la terre et que le Hanmo Hazaken nous a permis de connaître. Ensemble, nous allons développer ce chapitre de Tania qui nous parle de la nécessité d'être capable de maîtriser nos pensées et parfois d'être capable de les mettre de côté lorsqu'elles surviennent. Elles viennent à n'importe quel moment de notre vie, de notre journée, parfois même pendant la Tefila. Vous savez que le moment où on est en mesure de construire, de bâtir, d'imaginer, de rêver, d'avoir les plus belles ambitions, les plus beaux rêves, pour ceux qui en ont l'habitude, je sais que vous êtes d'accord avec moi, il y a deux moments très précis pour ça. C'est le jour du Shabbat, c'est là où on a les plus grands projets du monde, et plus que des projets, on les voit se réaliser. On se sent capable de tout faire, de tout construire, de tout imaginer, toute forme de société ou de start-up ou d'idée impossible, inimaginable. Et il y a un deuxième moment, et c'est quotidien, c'est trois fois par jour que ça nous arrive, c'est historiquement connu, hein. Peu importe l'endroit dans lequel nous habitons, peu importe notre provenance, et peu importe l'âge que nous avons, en général, le moment de la Amida, le Shmoneh Esrei, c'est un moment où on a toutes les idées qui viennent, hein, quand tout est calme, et bien bizarrement à ce moment-là, il y a toutes les pensées qui viennent en nous, toutes. On s'imagine toutes sortes de projets, on se demande ce que nous devons faire comme travaux à la maison, quelles sont les courses qu'il faut faire, de quelle façon on peut faire en sorte de gagner un petit peu plus sa vie, comment on peut s'occuper de l'éducation de nos enfants. Enfin, il y a tout qui vient. Dans ces moments-là de Shmoneh Esrei, il y a tout qui vient. Ces pensées, elles viennent, elles nous submergent. Est-ce qu'on a la possibilité de maîtriser ces pensées-là? Alors, vous savez, dans les chapitres précédents, on a parlé un petit peu de ce sujet-là. Et surtout, on a parlé de ce que nous appelons les vêtements extérieurs, c'est-à-dire les moyens d'expression, les outils extérieurs que chacun a en lui. On a ce qu'on appelle les outils qui permettent d'accomplir et de mettre en relief et d'extérioriser et de matérialiser les potentiels que nous avons, les capacités, ce qu'on appelle les forces, les capacités. Les capacités, ce sont donc les volontés que nous pouvons avoir, l'intellect, le sentiment. Et c'est sûr que tous ces niveaux-là, de vie,
et d'expression sont très difficiles à être maîtrisées chez un homme normal, lambda. Ce qu'on appelle les moyens d'expression, ce sont la pensée, la parole et l'action, qui sont là pour matérialiser et pour mettre en mouvement et pour faire vivre ces capacités, ces potentiels-là. Et de la même manière que les vêtements, c'est appelé des levushim, hein, ces capacités-là, ces moyens d'expression et ces outils-là, sont appelés dans la chassidoute ou dans la kabbalah des levushim, des vêtements. De la même manière que les vêtements sont là, un, pour couvrir le corps, mais aussi pour envoyer un signal au monde extérieur, c'est-à-dire montrer quelque chose de notre personne, et de la même manière qu'on est capable de retirer ses vêtements, de les changer, et puis de les remettre après, c'est la même chose avec ces outils spirituels qui sont là à notre portée, qui sont à notre disposition. On a la possibilité de les maîtriser. On peut les retirer, on peut les enlever, on peut les remettre et on peut les changer à notre guise. Comment ? On a appris ce principe ensemble. Mohar, shalit alalev, le cerveau, lui, il maîtrise le cœur. Bien qu'on a l'impression que notre vie, elle est gérée par notre cœur, par nos émotions, il faut toujours se dire et savoir, se rappeler que c'est mohar, shalit alalev, que c'est le cerveau qui maîtrise le cœur. Et si c'est le cerveau qui maîtrise le cœur, donc il est en mesure de décider quels sont et comment on va utiliser donc la pensée, la parole ou l'action. Il y a quelque chose de plus dans la mahashava qu'il n'y a pas dans l'action et dans la parole. Dans la pensée, il y a quelque chose de plus. Vous savez pourquoi ? Parce que la pensée, elle touche. C'est ce qu'on appelle un levush penimi. C'est un vêtement qui est intérieur. Là où la parole est là pour exprimer, pour extérioriser, pour partager, et pour associer l'autre à ce que je ressens, ce qu'il y a en moi, là où l'action se concrétise, se matérialise, est à l'extérieur du corps, la pensée, elle, reste dans le corps de l'homme. Donc elle fait partie vraiment intégrante de ce qu'il est. Et la pensée, bizarrement, est beaucoup plus difficile à être maîtrisable. Mais on a aussi la possibilité de le faire. Alors, en général, la première pensée qui vient en nous, ça n'est pas une pensée qui est volontaire. Et cette pensée-là, on ne peut pas la maîtriser. Les sentiments du cœur viennent de manière automatique et puis se dirigent vers le cerveau afin qu'il puisse penser et qu'il s'investisse dans ce que le cœur peut lui envoyer comme signal. Ça, on ne peut pas le maîtriser, ça. Ça vient instinctivement. Ce qu'on appelle la deuxième pensée, c'est une pensée qui est volontaire. Une fois que le cœur a envoyé une forme de volonté, un désir de penser à telle ou telle chose, que ce cœur-là a envoyé cette sensation et qu'il a envoyé ce signal à la pensée, elle peut décider d'approfondir l'idée ou de la rejeter. Là, c'est l'homme qui peut décider, c'est là qu'on dit « Mohar shalit alalev », c'est au niveau de cette deuxième pensée. Il peut décider est-ce qu'il approfondit ou bien il décide d'écarter cette pensée, de la mettre complètement de côté. Partant de ce postulat, on peut vraiment un petit peu plus percevoir ce que veut dire ici la maîtrise des mauvaises pensées ou des pensées étrangères qui surviennent dans un moment où on est en train d'étudier la Torah, où on est en train de prier. On ne peut pas décider de ne pas avoir de mauvaises pensées ou de pensées étrangères qui surviennent pendant qu'on prie. On ne peut pas le décider. Les premières pensées qui viennent, on ne les maîtrise pas. Parce qu'elles viennent de manière automatique. Mais par contre, on peut faire en sorte que quand elles sont arrivées, on peut décider de ne pas les approfondir, de les balayer comme ça d'un revers de main. Le Shulchan Aruch global du Rabbi Yosef Karo, mais aussi le Shulchan Aruch du Rabbi Shon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, Shulchan Aruch Harav, il est dit comme ça. V'im tavolo machashava acheret betocha tefila, ishtok ad shetit batel machashava. Dans les lois de la tefila, on dit, si une personne est en train de prier, il y a une pensée étrangère à la tefila qui vient s'immiscer. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se taire, il doit arrêter de prier, il doit attendre que l'ouragan passe, et puis ensuite reprendre sa tefila. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter, il faut attendre que cette machashava, que cette pensée-là disparaisse. Quelle est l'idée ? C'est qu'il y a toujours une pensée qui suit une autre pensée. Une pensée chasse l'autre. Ça ne s'arrête jamais. Donc, tu as une mauvaise pensée qui est arrivée, à toi de décider. Est-ce que tu vas approfondir ou est-ce que tu la balayes ? Ne lui donne pas d'importance. Si tu lui donnes de l'importance, elle va s'installer. Et il n'y en a pas une autre qui va prendre sa place. Si tu décides de la balayer d'un revers de main, alors à ce moment-là, tu auras plus de chances de laisser l'autre exister. C'est-à-dire la prochaine qui va être certainement plus noble, parce
que tu es en train de prier. Donc tu es conscient que tu as balayé celle-là parce qu'elle était négative. Donc tu as donné un ordre quelque part à ton cerveau de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc en fait, est-ce qu'on a le choix ? Oui, on a le choix. Mais on a le choix en deuxième position. Il est dit comme ça, « Lev taor brali elokim veruach nachon chadesh bekiri » Quand, par exemple, on a une mauvaise pensée qui vient pendant qu'on est en train. Il y a une mauvaise pensée qui est venue pendant qu'on est en train de faire la tefila. Pardon ? Une question. Oui, vas-y. Sur les pensées. Oui. Il y a des pensées qui sont passagères et il y a des pensées qui envahissent complètement. Mmh. Et certainement qu'il doit y avoir des techniques différentes sur l'intensité des pensées. En effet. Et le Morazakine va s'attacher aussi à. Il va approfondir ces deux idées-là. À savoir les pensées qui nous submergent complètement. On va voir qu'on peut se préparer aussi à ça. La façon avec laquelle on se prépare à la tefila, c'est ce qui va nous permettre aussi d'être prédisposé, hein, de ne pas se mettre dans une situation où on est sûr d'être submergé par quelque chose qui va complètement nous submerger, qu'on n'aura pas la possibilité de maîtriser complètement. Là, on parle de celles qui arrivent comme ça, qui surgissent, et qu'on peut décider d'installer ou de les mettre de côté. Ce que les textes conseillent quand il y a une mauvaise pensée qui arrive, enfin une pensée étrangère, c'est par exemple de dire « Lev taor brali elokim ruach nachon chadesh bekirbi » Dieu m'a créé avec un cœur pur et on demande à Kadosh Baruch Hu de renouveler ce cœur pur. C'est une technique comme ça. Il y en a qui pensent qu'il faut vraiment combattre cette mauvaise pensée. Il y a différents avis dans la Torah. Il y a ceux qui disent que quand il y a une pensée étrangère qui vient pendant la tefila, eh bien il faut que tu te lèves, que tu te soulèves, que tu te révoltes contre elle et que tu lui reproches d'être venu. Et il faut la combattre comme si tu étais au combat, comme si tu étais à la guerre. Le Admor HaZaken, lui, ne pense pas comme ça. Rabbi Shimon Zalman, lui, dit, il faut ne pas y penser tout de suite. C'est-à-dire que tu ne dois même pas vouloir la combattre, même pas lui en vouloir d'être arrivé. Tu ne dois pas la voir comme un ennemi, tu ne dois pas la subir, mais tu dois la balayer d'un revers de main. Autrement dit, ne pas lui donner de l'importance. Souvent, donner de l'importance, c'est ce qui crée des problèmes. Ce qu'on peut voir également dans l'éducation ou dans le couple, quand on laisse un problème s'installer et quand on lui donne trop d'épaisseur, quand on marque trop les différences, quand on marque trop les situations qui ne nous plaisent pas, ben qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'installer un climat. Et donc, on installe un climat, on installe un combat. Alors oui, il y aura un combat, oui, on va peut-être réussir à faire la paix à la fin du combat, mais on a donné de l'épaisseur, on a donné de la consistance. Et une des techniques que le Chassidout nous donne, c'est de balayer ce qui est négatif. Ça ne veut pas dire de le cacher sous le tapis, mais souvent, souvent, on donne trop d'importance à des petites bêtises. Le Rabbi de Lubavitch, c'est ce qu'il dit à travers toutes ses lettres, quand il répondait à toutes les questions qu'on lui posait, c'est toujours ce chemin de pensée, chemin de vie qu'il donnait, à chaque fois de dire, ne donne pas trop d'importance au négatif. Et c'est hadad, ça veut dire, n'y pense pas trop, mets ça de côté. Concentre-toi sur du constructif, sur du positif, et tu verras, ça s'en ira automatiquement. Tu coupes cette mauvaise pensée qui arrive, cette pensée étrangère, et puis tu passes tout de suite à autre chose. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on va voir juste après. Il ne faut pas être persuadé, il ne faut pas penser qu'on est des soldats. On est des soldats vaillants, on a les forces de combattre. Mais on a beaucoup de combats à mener. On ne peut pas donner toutes les énergies qu'on a sur chaque pensée qui survient pendant la tefila. Donc il ne faut pas s'imaginer plus fort que nous le sommes. On ne peut pas maîtriser toutes les pensées qui arrivent au premier moment, mais on peut faire en sorte de les mettre de côté. En un clic, vous savez, c'est comme quand on décide de prendre, il y a un fichier qui se présente, on décide, voilà, on a d'infini, je ne sais pas moi, sur nos téléphones, on a des dizaines, des centaines, et ça prend toute la mémoire, ok ? Bah, le fait qu'il y ait énormément de mémoire, bah, ça bouchonne, et puis on ne peut plus rien mettre dans le téléphone, hein, ou dans l'ordinateur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, il faut cliquer. On clique, on sélectionne, et puis on met tout à la poubelle. Si on commence à regarder chaque photo, chaque vidéo, etc., on ne s'arrête jamais. Il y a un moment où on décide qu'il faut quand même évacuer, on évacue d'un coup. Et de cette façon-là, c'est plus de place pour le reste. C'est le même principe. Il faut évacuer, oui. Il ne faut pas seulement mettre dans la corbeille, il faut après vider la corbeille. Hazak, parce que des fois, la corbeille, elle prend de la place. Il faut complètement supprimer tout ce qu'il y a dans la corbeille.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et parfois, on ne le sait pas. Alors, c'est ce que l'Admorazaken ici va nous dire. Il va nous dire que, première chose déjà, on met de côté, mais il y a aussi d'autres techniques. Il va nous dire, le fait de lire, c'est ce que le Rabbi de Lubavitch aussi avait l'habitude de dire, qu'il faut regarder les mots qu'on prononce, il faut lire les lettres, il faut prier dans un sidour, même quand on connaît la tefila, il ne faut pas la dire à voix haute, et il faut, pardon, pas à voix haute, il ne faut pas la dire par cœur, il faut regarder les lettres de la tefila. Et le fait de lire les mots et les lettres de la tefila, ça nous permet de nous écarter et de faire partir toutes les mauvaises pensées. C'est une des techniques qui est donnée. Un jour, le Maguide de Mezritch, qui était le maître du Admorazaken, il voyageait avec ses élèves. Et le matin, ils se sont arrêtés à un moment pour faire la tefila. Ils sont arrivés, ils se sont retrouvés dans une auberge qui était remplie de personnes qui étaient toutes sous. C'était une ambiance délétère, chaotique. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas un endroit qui pouvait correspondre à un moment de tefila. Donc il a demandé à ses élèves de repartir et d'aller trouver un endroit un peu plus convenable. Ils ont avancé, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et là, le Zman, le temps de la tefila, allait partir, allait être dépassé. Donc il a dit, bon, on n'a pas le choix, on va s'arrêter, on doit s'arrêter. Ils ont commencé à faire la tefila et c'était un brouhaha pas possible. Ça criait dans tous les sens, ça chantait, ça dansait. C'était une ambiance complètement à l'opposé de la sainteté de la tefila. Quand tout à coup, le Maguide de Mezritch leur a dit, continue à prier, ne faites pas attention. Ils sont arrivés au moment de la Amida, du Shmona Esrei. Shmona Esrei. Et là, ils se sont tous tus. Ils ont commencé à faire la Amida du Shmona Esrei. Et là, bizarrement, tout le monde s'est tu. Il n'y avait plus aucun bruit derrière, autour. Quelques jours après, il a donné l'explication de Maguide de Mezritch. Il a dit, c'est un petit peu ce qui se passe tous les jours quand on va faire la tefila. On se met devant son livre de prière, on met les téfilines, on met le talit, hein, ou l'inverse, le talit, les téfilines. Et puis on commence à prier, et là, on est submergé de toutes sortes de pensées, on n'arrive pas à se concentrer. Bon, alors on essaye de se préparer à la tefila comme on est en train de faire, Baruch HaShem. Mais quand on ne peut pas se préparer en étudiant la chassidut pour vider un petit peu notre tête, et la remplir de quelque chose de bien, de positif, les pensées, elles nous submergent. Donc on est inondé d'un boucan, d'un bruit pas possible. Tous les problèmes qui viennent, les soucis, enfin tout. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Maguide de Mezritch? Il dit, il faut quand même y aller. Il y a celui qui va se dire, mais comment je peux prier Dieu? Je ne peux pas prier Dieu comme ça. C'est totalement hypocrite, je ne pense même pas à ce que je suis en train de dire. Vous connaissez ça, parfois on est là, on prie, et d'un coup, on retire les tefilines parfois. On peut se dire, mais est-ce que j'ai vraiment prié? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? On ne s'est même pas rendu compte qu'on a prié. Dans ces moments-là, on peut perdre l'espoir et se dire, mais à quoi ça vaut le coup? Alors, en quoi ça vaut la peine? Et puis là, on te dit, le Maguide de Mezritch, il dit, ces personnes-là qui étaient dans cette auberge-là, ça correspond à toutes ces pensées étrangères qui viennent nous submerger. On doit commencer la tefila, on doit prier avec, on doit aller avec, on doit prier avec, on doit vivre avec ces mauvaises pensées qui arrivent, ou ces pensées étrangères. Et à un moment, quand on arrive au chemin d'Esrei, elles disparaissent. Quand on les combat, quand on continue à donner, à nourrir notre cerveau et notre cœur de bonnes pensées, de beaux mots et de paroles de Gdusha, à un moment, elles disparaissent. Une des techniques qui est donnée ici, et c'est une technique qui est globale, dans tout le reste de la Avodat Hashem, notre façon de servir Dieu, et de travailler avec ce corps, avec cet esprit, avec ce cœur que nous avons, ces émotions, justement ces émotions, puisqu'on en parle, c'est ce qu'on appelle l'élévation des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire l'élévation des émotions? Ça veut dire la transformation des émotions, être capable de déplacer les émotions d'un terrain à un autre terrain. C'est ce qu'on appelle une transformation. Cette technique-là, elle est donnée ici dans la Chassidoute, et c'est celle qui nous permet de prendre la maîtrise de notre esprit, mais aussi de notre cœur. On l'a dit tout à l'heure, nous avons deux éléments qui sont les piliers de notre vie, surtout du rapport que l'âme avec le corps, c'est les potentiels, les capacités, les forces que nous avons, et de l'autre côté, les outils qui sont à disposition de ces forces et de ces capacités, qui leur permettent de s'exprimer. Ce qu'on appelle, dans les mots de la Chassidut, de la Kabbalah, les kochot et les levushim, les potentiels, et puis les vêtements, les outils, les réceptacles, ceux qui sont là pour véhiculer ce que nous avons comme potentiel. Vous imaginez bien, les vêtements, les outils sont là pour servir les potentiels et les forces.
les énergies, ce que nous avons comme potentiel. Donc, quand un homme pense à quelque chose, la pensée provient d'un sentiment qu'il a pu avoir juste avant. Et comme il a eu un sentiment, il a eu une émotion, donc la pensée suit cette émotion qu'il a pu avoir. Et on sait qu'il y a 7 formes de sentiments et de sensations et d'émotions qui peuvent justement envoyer des signaux à la pensée et générer cette pensée-là qui arrive. Ce sont ce qu'on appelle les 7 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Chacune reflète un élément, une forme d'émotion et cognitive, et d'état cognitif dans lequel un homme il peut se trouver. Le chesed, la bonté, ce n'est pas seulement quand il est en train de faire un geste de bonté. Le chesed, ça représente par exemple la hava, l'amour, le fait de ressentir de l'amour, un bien-être, une volonté de partage. La ira, la gvura, la rigueur, c'est la crainte. Être dans un état de crainte, pas obligatoirement pour Dieu. Ça peut être de la crainte d'une situation, de la crainte d'une personne. À chaque fois que je vais ressentir une émotion particulière et que je vais diriger ça vers Dieu, c'est-à-dire dans le travail que je suis censé fournir, bien à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle l'élévation de mes émotions, j'ai transformé mes émotions, je les ai mis dans un autre terrain. J'ai profité de l'occasion qui s'est présentée à moi et je les ai dirigées là où il fallait et donc elles deviennent productives. Dans d'autres mots, on a 2 étapes, 2 fonctions. La première étape, c'est déjà de définir, d'identifier quel est le sentiment qui est en train de motiver et de générer ma pensée. Où est-ce qu'il veut m'emmener ? Deuxième niveau, deuxième étape, c'est d'intérioriser ce sentiment-là et de me dire, au lieu de le diriger là où il veut m'emmener moi, je vais le diriger là où je veux. Puisque je suis dans un sentiment, par exemple, dans un état de torpeur, dans un état de crainte, par exemple, d'une situation ou d'une personne. Celui qui est Oved Hashem, celui qui sert Dieu, c'est celui qui est capable de transformer toutes les situations de sa journée, de son quotidien, de tous les jours, et de les diriger vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, tu es là dans une situation où tu n'es pas bien. Tu as une crainte de quelque chose. Tu te sens déstabilisé. Tu vas prendre cette crainte-là et tu penses à Dieu. Et tu te dis, comment est-ce que je vais craindre Dieu ? Cette crainte-là que j'ai de quelque chose, eh bien, je vais la prendre, je vais la mettre vers Dieu. J'aime une situation, je vais prendre cet amour-là que j'ai, et je vais diriger vers quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je procède par étapes et que j'essaye déjà de déceler et d'identifier quelle est cette pensée qui est née ici, pourquoi est-ce que cette pensée elle est née ? Pourquoi est-ce qu'elle est venue ? Parce que j'ai craint quelque chose, j'ai eu peur d'une situation ou quoi que ce soit. Tout de suite, cette pensée-là, je vais la diriger de l'autre côté et je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour craindre Dieu ? Comment est-ce que cette crainte-là peut s'exprimer dans ma crainte de Dieu ? J'ai un désir, j'ai une pulsion, j'ai une sensation qui est venue en moi. C'est venu de quoi ? C'est venu de l'amour. Donc c'est venu du chesed, c'est venu de l'émotion qui s'appelle le chesed, l'amida du chesed. Elle va envoyer donc une pensée à moi. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me dire, ok, ce potentiel d'amour que je peux avoir, ce potentiel et ce mouvement-là d'amour et de bonté que je peux avoir, je vais le diriger vers Dieu ou vers l'homme, vers mon prochain. Et donc là, à ce moment-là, Dieu va aimer ton Dieu, tu veux dire. Ok, ça veut dire ça, aimer. Ok, ça veut dire ça, aimer son prochain, ça veut dire ça, aimer Dieu. Ce sentiment d'amour ou d'attirance que je peux avoir pour quelque chose, pour un événement, pour une personne, et qui peut être négatif, interdit, eh bien, je vais le mettre vers ce que ça veut dire éprouver de l'amour pour Dieu. Alors cette technique-là, en fait, savoir, c'est la chassidoute qui nous l'a apprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne combats pas avec le monde qui t'entoure. Ton corps, ça n'est pas ton ennemi. C'est d'ailleurs ce que nous disons dans la parashat Mishpatim. Il faut prendre avec nous ce corps-là. Il faut prendre avec nous ce monde matériel dans lequel nous vivons et l'enrôler quelque part et qu'il devienne notre aide de camp, qu'il soit avec nous et qu'il soit là pour nous aider à nous unir à Dieu, pour vivre dans cette sainteté-là. Alors, a priori, c'est une façon de voir qui est extraordinaire, qui est magique, et qui nous permet de se dire, c'est très bien, c'est parfait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une émotion qui peut apparaître négative, qui est censée générer une pensée qui est négative, eh bien, on va bifurquer tout de suite, on va tout de suite diriger là où il faut, et puis on va maîtriser toutes nos pensées, et on devient quelqu'un d'exquis, de magnifique. Ce problème, c'est qu'on se rend compte que, très souvent, cette pensée, elle revient. La pensée
Elle saute, elle revient, elle parle, elle revient. Comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que quand elle revient, elle ne revienne pas de la même manière, avec autant de force? Le Nourazaken ici va nous dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a doté de deux mains. Et les deux mains, elles sont là pourquoi? Parfois comprendre qu'on ne doit même pas chercher à faire ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire l'élévation des midot, l'élévation des émotions, en touchant ces pensées-là, en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette pensée-là? Je vais la diriger comme il faut. Il va nous dire, tu as deux mains, et ces deux mains, elles sont là pour que tu puisses les repousser avec tes deux mains. Parfois, il ne faut pas faire ça. Parfois, il ne faut pas se dire, cette pensée, elle arrive, donc je vais vivre avec cette pensée-là, et puis je suis assez fort pour la diriger là où il faut. On te dit, non, là. Là, tu vas te servir de tes deux mains et tu vas les repousser, ces pensées qui arrivent. Il ne faut pas se sentir, il ne faut pas s'imaginer plus fort que nous ne le sommes. Même si ce principe-là de transformation existe. Le Admor HaZaken, à notre grande surprise, nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut même pas avoir de contact avec cette pensée étrangère. Il dit comme ça dans les textes. Dans le texte, il dit « Vali yishoté la sok be'alat amidot ». Ne sois pas sot hein, de t'occuper de ça, de penser que tu peux le faire. Parce qu'il y a un principe qui dit comme ça. « En chavush matir et atzmo mibet ha'asurim ». Une personne qui est emprisonnée ne peut pas se sortir elle-même de prison. Quand tu es dans un problème, d'accord, si tu as créé un problème et que tu fais partie de ce problème, que tu es le problème, tu ne peux pas être celui qui va te sortir du problème. Tu as besoin d'une main secourable qui vient de l'extérieur et qui va te sortir de ce problème-là. La solution doit venir de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et plus que cela, il faut que cette personne-là reste totalement à l'extérieur. Parce que si elle met un pied dans tes problèmes, elle risque elle aussi d'être prise dans ce problème-là. Chez une personne normale, les pensées étrangères qui viennent en lui, elles ne sont pas si étrangères que cela. Elles ne sont pas si étrangères parce qu'en fait, elles font partie de lui-même. Quand on a des pensées étrangères, c'est-à-dire qu'on pense aux soucis de la part d'un saint, qu'on pense aux soucis de la famille, qu'on pense aux soucis de santé, qu'on pense aux soucis à tout ce qui est négatif, que je ne donne que du positif, mais qui sont présents, voilà. Lui, etc., il est là pour ça aussi. Hein, on ne sait pas pourquoi, même quand il n'y a pas vraiment de problème, on va aller chercher le petit problème qui doit peut-être nous embêter et qui va nous embêter. C'est l'Yetzer Hara qui est là, il est là pour ça. Donc quand ces Machashavot Zorot, elles arrivent, elles ne sont pas si étrangères parce qu'elles viennent de toi, elles viennent de ce que tu es toi. Donc si je commence à réfléchir à cette pensée étrangère et de me dire comment est-ce que je peux transformer cette pensée étrangère dans quelque chose de positif et en dirigeant ça vers l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu, je risque de me perdre complètement en route. Pourquoi? Parce que je suis plongé dedans. Je suis complètement dans ce problème-là déjà. Je fais partie du problème. La conséquence va être l'inverse, c'est-à-dire que je vais vraiment plonger dedans. J'ai un désir qui vient, j'ai une pulsion qui arrive. Je vais me dire, ah, ok, très bien, je vais analyser le désir ou la pulsion qui vient pour me dire comment est-ce que je peux transformer cette envie-là que j'ai de faire telle ou telle chose, d'accord? Et pour transformer ça et me dire, allez, comment est-ce que je vais avoir vraiment l'envie de m'approcher de Dieu? Et le fait de t'approfondir, le fait de penser à cette tava, à ce plaisir qui vient, à ce désir qui se présente à toi, ben, tu risques de tomber encore plus et que tu auras du mal, comme quelqu'un qui met des pieds dans la boue, qui a du mal à sortir son pied. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est très très compliqué d'en sortir. Le Admor HaZaken, en fait, et c'est ce qu'il nous dit globalement dans le Tanya, il nous enseigne qu'il faut apprendre à connaître son âme. Il ne faut pas se laisser avoir. Mais de manière contradictoire parfois. D'un côté, il nous dit, il faut que tu saches et que tu sois bien conscient de ce que tu es capable de faire et de ce que tu n'es pas capable de faire. Qu'est-ce que l'homme maîtrise? Qu'est-ce que l'homme ne maîtrise pas? Le principe de Mohar Shalit à la lève, que le cerveau maîtrise le cœur, et le principe du fait qu'il faille souvent mettre de côté quand une pensée arrive. Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? C'est que le Admor HaZaken nous dit ici, fais attention aux conséquences. Ne va pas trop jouer avec le feu, parce que quand tu vas jouer avec le feu, tu vas te brûler. C'est la raison pour laquelle nous avons soulevé deux façons, deux techniques dont nous avons parlé les derniers jours dans le Tanya, à savoir cette dite kafia et cette dite apra, vous vous en souvenez? Ben, Itapra, c'est le tzaddik qui est capable de prendre le mal et le transformer complètement en bien.
Et puis, le Benoni, hein, le Benoni, celui vers lequel nous allons tous et nous tendons, bah, c'est quoi? C'est l'Aïd Kafia, ça veut dire je ne peux pas transformer le mal en bien, mais je le gagne, je le maîtrise. Et à chaque fois qu'il arrive, eh bien, je gagne le combat. Si on veut vraiment réussir à transformer et faire ce qu'on appelle la technique de l'élévation des midot, l'élévation des émotions, c'est-à-dire de transformer, de déplacer, de prendre mes émotions négatives et de les mettre dans le côté de la Kdusha, ok, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un niveau de tzaddik, ça. C'est ce qu'on appelle itapra, ça veut dire que le négatif arrive et tu le transformes et tu le mets pour le bien. C'est un niveau, il faut réussir à faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces pensées-là, ces négatives qui arrivent, elles ne sont même pas négatives. Parce que vous imaginez bien qu'un tzaddik, lui, il n'a pas les pensées étrangères que nous avons. Donc, c'est des pensées étrangères qui sont extérieures à ce qu'eux peuvent ressentir, parce qu'ils n'ont pas de pensées étrangères. Donc, ils ont un recul, et ce recul-là leur permet, ils ont leur donne la capacité de transformer ces pensées étrangères en quelque chose de positif. Prenez un grand sage, un grand tzaddik, et une personne simple qui vient lui exposer ses problèmes. Qu'est-ce qu'il a, le tzaddik? C'est pas un devin, c'est peut-être pas un prophète, hein. Mais il a le recul nécessaire, il a tellement de gdoucha en lui, tellement de sainteté, que son regard de sainteté lui permet d'avoir une approche beaucoup plus froide et sereine et réfléchie de la situation qui se présente. Et par sa sainteté-là, il va être capable de donner des conseils. Parce qu'il regarde ça avec recul. Il est étranger, en réalité, à ses problèmes. Et parce qu'il est étranger, il peut avoir le recul. Quand la mauvaise pensée arrive, la pensée étrangère arrive chez un tzaddik, il peut tout de suite la transformer parce que elle ne le touche pas, elle ne fait pas partie de lui. Cette pensée étrangère, ça n'est pas ce qu'il est lui. Alors qu'un homme simple, eh bien lui, ça fait partie de lui. Le fait de dire « itkafia », ça veut dire de se maîtriser, de maîtriser chaque pensée à chaque fois qui arrive. Mais à chaque fois, hein, on peut comprendre que ça peut nous concerner à nous. Je fais partie du problème, je suis le problème, la pensée n'est pas étrangère à moi. Et donc je vais pouvoir la rejeter tout de suite, et je dois la rejeter tout de suite, et surtout pas discuter avec elle. On raconte que l'Admor Emtsaï, ensuite on ira dans les mots, l'Admor Emtsaï c'était le fils du Rabbi Shon Zalman de Liadi, celui qui nous a offert ce Tania-là, cette étude. L'Admor Emtsaï c'était quelqu'un de très très puissant, comme tous les grands tzadikim, les grands rébéim de la Chassidut Rabad, qui avait une étude. On a eu l'occasion quelquefois d'étudier ces textes très approfondis, très élaborés, très détaillés. Et parfois, lui aussi, il recevait des chassidim, des élèves qui venaient lui demander des conseils en ce qu'on appelle une yechidut. Yechidut, c'est-à-dire une entrevue privée. Et on s'était rendu compte qu'au bout d'un certain temps, quand il recevait les gens, à la fin de la journée, il terminait la journée, il transpirait énormément. Quand on lui a demandé d'expliquer comment ça se fait, il a dit comme ça. Il a dit, quand un chassid, quand un élève ici rentre dans ce bureau-là, et qu'il est en train de me parler de ses problèmes spirituels, il a besoin de s'habiller spirituellement avec des habits de chassid. Ça veut dire de mettre sa tête et ses pieds dans la tête et les pieds du chassid, de son élève qui vient le voir. D'accord? De son niveau, de se mettre au niveau de son élève, afin de bien comprendre son problème. Ensuite, il a besoin, une fois qu'il a entendu le problème, de se déshabiller de ces vêtements-là du chassid, de les retirer, pour pouvoir se mettre à son niveau à lui, de gdoucha, de sainteté, qui lui permette de résoudre le problème de cet élève-là qui lui présente ce problème-là, d'avoir ce regard extérieur. De cette façon-là, il pouvait lui résoudre son problème. Quand cet élève-là sortait, il y a un autre élève qui arrivait. Et donc, l'Admor Emtsaï devait faire encore une fois la même démarche, retirer ses vêtements de rabbi pour mettre les vêtements du tzaddik, du chassid, de son élève, pour se mettre dans sa peau quelque part, ressentir son problème et trouver donc après, en les retirant, une solution à son problème. Et à chaque fois, il devait faire ça. Donc il disait, c'est la raison pour laquelle il transpirait énormément. Ça veut dire que physiquement, il vivait cela. Et si on regarde bien ici dans cette histoire, on a l'expression de ce qu'on est en train d'expliquer ici entre le potentiel,
les capacités et les vêtements, c'est-à-dire les outils, les moyens d'expression. C'est vraiment ce qui se passait. Le Admor HaEmtsai devait retirer ses vêtements, c'est-à-dire ses capacités à lui de sainteté très élevées, qui n'ont aucun rapport avec tout ce qui peut être une pensée étrangère à la sainteté, les retirer pour en mettre d'autres, celles qui correspondent plus à celles de son élève, au niveau de son élève, pour ensuite pouvoir prendre les siens et pouvoir répondre. C'est ce qui nous arrive à nous aussi. On est dans ce combat permanent. Hein, on est dans un combat permanent, c'est un combat permanent qui se vit à chaque moment de notre vie, dans la tefila, dans le limouda Torah, quand on fait une mitzvah. Mais précisément, cette épreuve, elle arrive justement quand on fait la tefila. Parce qu'il y a deux problèmes qui se soulèvent quand on fait la tefila. Premier, c'est quand les pensées, elles arrivent, je peux ressentir une forme de tristesse et de frustration. De me dire, mais comment est-ce que j'ai pu me lever et j'ai pu faire la démarche, même parfois d'aller à la synagogue pour faire la tefila, et de me dire que je n'arrive pas à maîtriser mes pensées, et mes pensées étrangères, elles viennent, elles s'emparent de mon être. Deuxième chose, est-ce que ces mauvaises pensées, comme je n'arrive pas à les combattre et comme elles viennent, est-ce que ça veut dire que le niveau de ma prière, le niveau de ma tefila, il n'est pas bon? Est-ce que je suis censé, est-ce que je dois vivre les choses de cette façon-là? Ou est-ce que je dois me dire, non, pas du tout, il ne faut pas perdre espoir? Ces symptômes-là qui arrivent sont capables, sont en mesure en général de prouver et de donner une idée de l'essence profonde du niveau de ma prière, du niveau de connexion que j'ai avec Dieu quand je fais telle ou telle mitzvah. Par exemple, une personne qui aime une autre personne, il y a des symptômes extérieurs qui vont montrer, qui vont prouver, il y a des gestes, il y a une attitude qui va prouver et qui va donner des signaux. Hein, qui sont là pour imager, pour exprimer ce que l'homme ressent, ce qu'on éprouve comme sentiment. C'est pareil. Si au moment où on est en train de déclarer son amour, on envoie des signaux corporels qui sont à l'inverse de cet amour qu'on est en train de déclarer, le message ne passera pas. On ne peut pas vivre de manière contradictoire. Et c'est ce qui se passe quand on fait la tefila. On est en train de dire un mot de Torah, on dit des mots de tefila, on est en train de déclarer notre flamme à Dieu, notre amour pour Dieu. On fait des louanges à Dieu, on parle de tout ce que Dieu a créé sur terre, de sa grandeur, de sa puissance, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il nous apporte, etc. Et on lui demande aussi de nous pardonner, de nous donner ce dont on a besoin. Et pendant ce dialogue-là, tout le reste de nos outils, de nos vêtements, eux, sont occupés à autre chose. Notre pensée, elle pense à nos soucis matériels. Et puis on pense complètement, on n'est pas du tout dans notre message. Donc en fait, on est en train d'envoyer des signaux qui sont contradictoires à ce que nous sommes en train de faire. Donc on envoie un message qui n'est pas clair. Alors, le Admor HaZaken ici va nous dire qu'on peut tester et savoir si vraiment la tefila est bonne. Si les pensées qui arrivent elles sont vraiment mauvaises, si c'est des pensées qui sont des pensées d'Avera, c'est complètement l'inverse que Dieu doit te dire. Tu ne dois pas te dire, mais je suis quelqu'un de vraiment de mauvais, quoi. Au moment de la tefila, je suis avec mes tefilines, avec mon talit, et je suis en train de prier et j'ai une mauvaise pensée qui m'arrive de faire une Avera, chas v'shalom. C'est complètement l'inverse. Tu dois te dire, mais non, au contraire, c'est un grand mérite. Si tu as une mauvaise pensée qui vient, qui survient dans ce moment précis, c'est que quelque part, tu n'es pas n'importe qui. Et comme t'es pas n'importe qui, comme ta tefila elle est magnifique, alors les forces contraires sont là pour empêcher cette tefila d'être une belle tefila. Toi, tu dois te dire que si ça vient à ce moment-là, c'est parce que ta tefila elle est très très belle, elle est très 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 élevée. La chassidoute elle nous dit ici que tu dois pas du tout tomber dans cette tristesse. Tu ne dois pas t'imaginer que si tu as que des belles pensées de saines et saintes, alors ça veut dire que tu es quelqu'un de magnifique et que ta tefila a été acceptée par Dieu. La preuve, c'est que tu ressors de cette tefila, mais remplie de sainteté. Non. Ça veut dire que ton orgueil a ressenti quelque chose, que ta fierté a ressenti quelque chose, que ton moi, il est existant. Hein, c'est ton entité qui est là, c'est toi, tu te sens être. Quand tu fais ta tefila et que tu rentres avec une forme de modestie, et que tu te présentes à Dieu et tu dis les mots de la tefila, et que tu sais que c'est un combat quotidien, permanent, parce qu'il y a des pensées étrangères qui viennent, et qui ne te laissent pas te diriger vers Dieu, de penser qu'à Dieu, de penser qu'à la sainteté. Et tu sais que tu combats, et que tu es conscient de ton état, tu es conscient de ton niveau, à ce moment-là, tu dois te dire vraiment que ça vaut la peine.
tu dois te dire que ça, ça vaut la peine, que ça, c'est une belle prière. Parce que c'est le combat. Parce que Dieu, il te regarde, il voit comment est-ce que tu réagis face à ça. À chaque fois que tu prends tes deux mains et que tu repousses ces pensées, et à chaque fois que tu te réinvestis dans la concentration, et tu repousses, et tu n'as pas réussi une fois, tu réessayes encore une fois. Parce que si c'est l'inverse, eh bien tu peux arriver à pire que cela. Si tu te dis, mais comme j'ai eu des mauvaises pensées, ça veut dire que je ne suis pas bon, c'est très grave ce qui va se passer. Parce que tu te dis, bon alors à quoi bon? Cette prière-là ne valait pas la peine. Donc tu te dis que tu es au niveau des mauvaises pensées qui sont venues, ou des pensées étrangères qui sont venues en toi. Donc tu te dis, très bien, donc je peux agir de manière négative. Et c'est l'inverse qui va être reproduit. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. La chassidoute, elle nous apprend qu'on doit toujours garder là, cet état-là de positivité, de se dire que comme nous sommes dans le combat, ben, on est là pour gagner la guerre. La solution, c'est de se rappeler l'idée centrale qui nous suit depuis le début du Tania, à savoir que nous avons donc en nous, cette âme divine et cette âme animale. On n'a pas qu'une seule âme divine ou qu'une seule animale. On a cette double personnalité, âme animale, âme divine. L'âme divine, elle, qui est la parcelle divine que Dieu nous a insufflée lors de la création, son aspiration, c'est de s'attacher à Dieu. En fonction de quoi? Toutes les pensées qui sont saines, toutes les pensées spirituelles, proviennent de l'âme divine. De l'autre côté, l'âme animale, qui est l'âme animale vitale, humaine, son aspiration à elle, c'est quoi? C'est sa survie, c'est son ego. Hein, c'est d'être, d'exister pour ce qu'elle est, elle. En fonction de quoi? Toutes les pensées qui parlent des profits du monde, du plaisir, du désir, de ce que le monde peut nous apporter, proviennent donc de l'âme animale. Dans ces deux âmes-là, il y a cette guerre mondiale qui se joue dans notre petite ville ici, là, vous savez, dans le cœur, dans le corps de l'homme. L'âme divine, elle est là pourquoi? Pour sanctifier le corps. Mais pas seulement le corps, tous les membres du corps, afin qu'ils soient là enrôlés et investis d'une mission, servir Dieu. Et l'âme animale, elle est là de faire quoi? De faire complètement l'inverse. D'attirer, de prendre ce corps-là et de le faire descendre à ses plaisirs à elle. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un combat? Un combat réel, matériel, physique, entre deux pays, ou plusieurs parfois, malheureusement. Quand est-ce que l'ennemi décide de sortir ses plus grandes armes? Quand est-ce que l'ennemi décide de sortir l'arme de destruction massive qu'il a en lui, et qu'il possède, face à son ennemi? La réponse, c'est que, en général, on se sert de ça quand on est vraiment dans une situation, quand on est pied au mur, qu'on n'a plus d'autre solution. Et donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vais sortir l'arme, vraiment, qui fait peur. La Nefesh HaBahamit, l'âme animale, elle se comporte tranquillement, elle fait ce qu'elle a à faire tant qu'elle ne voit pas de danger, tant qu'elle ne se sent pas menacée. Elle ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'elle reste dormante. L'âme animale, ce n'est pas chaque instant qu'elle demande à l'homme, qu'elle dit à l'homme, vas-y, fais quelque chose de négatif, vas-y, fais une avéra, une mauvaise pensée. Non, bizarrement, quand tu étais avant de dormir, tu n'avais pas vraiment autant de mauvaises pensées ou de pensées étrangères qui venaient en toi. Lorsque tu t'es assis pour manger, hein, tu n'as pas du tout eu toutes ces pensées qui sont venues, qui t'ont dit, tu sais, peut-être que tu devrais faire ci, et puis peut-être que tu devrais réparer la serrure, et peut-être que tu devrais faire ci, ça, direction, l'éducation donne à nos enfants, et où est-ce qu'on habite, par où on habite. Non. Et même si quelqu'un est en face et il te pose toutes ces questions, tu lui diras, écoute, laisse-moi tranquille, je suis en train de manger, laisse-moi un peu de temps tranquille, j'ai besoin d'être tranquille, je termine mon repas, après on parlera des problèmes. Oui ou non, c'est ce qui nous arrive à tous. On prend un petit peu de vacances, on se dit, non, là, je ne veux pas penser à tous les problèmes, laisse-moi tranquille avec ça. Et bizarrement, quand la tfila, elle arrive, on n'a pas ces réflexes-là de mettre ça de côté. Mais pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, à chaque moment de la journée, la Nefesh HaBahamit, c'est comme cet ennemi qui est dormant. Donc quand l'ennemi est dormant, on n'a pas besoin de faire appel à l'arme de destruction massive. Parce que l'ennemi est dormant, il ne montre pas ses muscles. Donc je suis tranquille. C'est pareil. Quand la tfila arrive, c'est-à-dire quand l'âme animale, elle voit que l'âme divine est en réveil, qu'il y a comme ça là une bouche qui est en train de prononcer, qui utilise le souffle de la bouche, le souffle qui provient du cœur, qui est l'oxygène, celle qui nous relie à Dieu, cette âme divine qui s'exprime et qui prononce les lettres et les mots et qui s'attache à Dieu à travers cette tfila. Donc elle sent, elle voit ce feu là ardent qui se réveille et là l'âme animale ne peut pas supporter.
Donc là, elle se sent au pied du mur, elle se sent menacée, elle se dit quoi, qu'est-ce qui se passe? L'âme divine est en train de prendre possession de ce corps-là, je ne peux pas laisser une chose pareille se faire. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réveille, et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle vient, elle nous submerge de toutes sortes de pensées inimaginables. Et c'est ce qui se passe aussi également le jour du Shabbat. Pendant la semaine, t'as pas d'ambition, tu rêves de rien du tout, en particulier. Et puis arrive le Shabbat, t'as toutes les ambitions qui viennent. Pourquoi? Parce que t'es en train de vivre, ton corps, il est en train d'être saint. T'es en train de vivre un moment kadosh, tu t'attaches à Dieu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'ennemi se réveille, il se sent menacé. Et comme il se sent menacé, eh bien il vient avec toutes ses armes pour nous détruire. Il veut pas nous laisser prendre le pouvoir sur ce territoire-là, sur ce corps, sur cette petite ville que nous avons en nous. Et comme dans tous les combats, il faut savoir que nous sommes deux. Il n'y a jamais un combat qui se fait seul. Un combat qui se fait seul, ça n'est pas un vrai combat. C'est ce qu'il nous dit ici, le Tania. Le Morazakan, il te dit, sache une chose, peu importe ce qui t'arrive, même si tu as cette impression-là, tu as l'impression de ne pas pouvoir gagner ce combat, parce que tu as l'impression que c'est que l'autre qui maîtrise tout, sache qu'on est toujours deux. Et puisque nous sommes deux dans ce combat, tu dois te dire que de la même manière que cet ennemi-là, il est le pied au mur, et donc et comme il a vraiment plus de choix, donc il sort l'arme de destruction massive, sache que toi aussi, tu as cette arme-là. Mais la force que toi, tu vas avoir, c'est pas d'aller au combat avec lui, parce que son arme, elle est trop forte. Qu'est-ce que tu vas faire? La meilleure, comme on l'a déjà dit, comme le meilleur des boxeurs, je suis sûr qu'il y a des connaisseurs parmi nous, c'est quoi? C'est d'esquiver, avec zèle et rapidité. Celui qui va gagner le combat, c'est celui qui est capable d'esquiver et hop, de mettre un petit coup là où il faut bien placer. Oui ou non? C'est pas d'y aller comme ça et de foncer dans le tas. Non, pas du tout. C'est d'être zélé, d'être léger et de savoir prendre comme ça, par surprise, l'ennemi. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, l'âme animale, qui se réveille au moment où on est en train de prier, ben faut pas aller frontal avec elle. Faut pas commencer à penser à ce à quoi elle pense. Faut juste se dire que je repousse avec mes deux mains. Je fais rempart. Je ne me pose même pas la question. Je m'investis même pas. Je ne l'écoute même pas. Elle n'est rien. Juste j'avance. On va dire dans les mots, si vous voulez bien, le Tania du jour, ensemble. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions l'Eilou Nishmat Rav David Zawi, Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi, que je vous refasse, que les mots de l'Imoud à Torah que nous prononçons soient une source de bénédiction pour son âme, mais aussi pour ses enfants hein, et son épouse qui leur donne beaucoup de force et de courage. Je compte sur vos Amen ve Amen. Disons les mots si vous le voulez bien. Et bien que ces pensées-là, ces plaisirs, ces mauvaises pensées étrangères surviennent pendant qu'il est en train d'étudier la Torah ou en train de faire la Tefila, il ne doit pas du tout y prêter attention, il doit les faire partir. Il ne doit pas être sot et aller s'investir et s'imaginer qu'il a la possibilité d'élever ses émotions de pensée étrangère comme Kanoda, comme il est connu, qu'il en aime Rudvarimaim et là les tzadikim. Ça a été dit seulement pour les tzadikim. Les tzadikim, juste eux, ont la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que eux, chez Einoflim, la Ema Hachavot Zarot, chez la Ema Kimi, chez l'Acherim, ces mauvaises pensées, ces pensées étrangères, elles ne viennent pas d'eux, mais de personnes étrangères. Donc, elles ne sont pas habitées par ces pensées étrangères. Donc, comme elles ne sont pas habitées par ces pensées étrangères, elles ont du recul. Les tzadikim ont du recul. Aval Michel Nofel Lomi, chez Lomi Prinatara, chez Bili Bobechal Al-Smali, Echiale le Malou, Vewatsam et Koucha le matin. Maintenant, celui qui ressent et qui a une pensée étrangère qui vient de la partie négative qu'il y a en lui, qui est dans son cœur, qui est dans le côté gauche de son cœur, comment lui va réussir à élever ce qui vient de la partie gauche de son cœur, alors que lui-même, il est attiré, il est attaché avec le bas? Ah, Afal Piken Alipoli Bob Kirboliot Mise et Sev Niv Zebeshat Avoda. D'un autre côté, tu t'as pas dû dire, alors j'ai pas de solution, je suis pas un tzadique, j'ai pas la possibilité d'élever ce que mon cœur et le côté gauche de mon cœur m'édicte, donc je vais être triste, je vais être dans l'abandon. On te dit non, il ne faut pas être triste au moment où tu es en train de servir Dieu. Il faut être dans une joie, mais pas juste une joie, hein. Il faut être dans une grande joie. Tu es en train de faire la tefila, c'est pas Tisha B'Av. Comment ça se fait, le Mourazaken nous dit qu'on rentre dans une synagogue et souvent on voit les gens, ils sont très sérieux. La tête. Être sérieux, ça ne veut pas dire ne pas être joyeux. Tu es en train de prier Dieu. Comment tu peux faire la tête? Être tout tristouné? Impossible.
Et là, Adraba, il faut se renforcer. Itrasek, au contraire. Itrasek, yoter yosif omez bechol kocho bekavanat atfila. Il doit se renforcer, rajouter de l'investissement, rajouter de la force, diriger sa pensée comme il faut. Bechedva, avec de l'allégresse, vesimcha yeter, avec une grande joie. Pourquoi? Mais soumoua libo, en disant à son cœur, kinefila tamachacha vazara, en se disant que cette pensée étrangère qui est venue, ouais, elle est venue d'où? Mais à Klipa, chez Bechala Lesmani, elle est venue de l'écorce qui provient du côté gauche du cœur. Aosa milchama bevenoni, qui est là pour faire une guerre contre cet homme-là. Imnefe chez Lokitchebo, pour combattre l'âme divine qui est du côté droit. Venoda. Et on sait, on connaît la démarche. Derech anilchamim, ceux qui combattent. Vechen ane evakim yachad. On sait ceux qui luttent ensemble. Que quoi? Que shah, que shahichad midgaber. Quand il y en a un des deux qui maîtrise et qui gagne le combat, qui est fort, Azayashin imita metzlid gaber. Quand on voit que l'ennemi sort ses armes, eh bien l'autre aussi sort ses armes. Kar gam bekol ma'amatsekwar. À chaque fois qu'il y a deux forces contraires qui se combattent, c'est toujours le même principe. Quand il y en a un qui sort ses muscles, eh bien l'autre tout de suite, ça le motive à sortir ses muscles. C'est la raison pour laquelle la reine, kishenefesh elokit mita metzet mitgaberet liit palel. Quand il y a l'âme divine qui s'investit, d'accord, qui se renforce et qui combat, qui essaye, qui s'évertue à prier comme il faut. Azaïgama klipa mitgaberet kenegda. La klipa, l'écorce négative, l'écorce du mal, elle est aussi là pour dire son mot. Et quel mot elle va nous dire, la klipa? Elle est là pourquoi les balbela, elle est là pour nous embrouiller l'esprit. Ou les apila, pour nous faire tomber, bemachashava zarachela, avec des pensées étrangères qui lui sont propres à elle. Avec pour ambition quoi? Ben de nous faire perdre ce combat-là et de nous faire perdre ce territoire. Mais nous sommes vaillants, nous sommes forts et nous savons pourquoi nous devons faire ce que nous avons à faire, à savoir investir toutes nos énergies, utiliser ces outils-là, ces vêtements-là, la pensée, la parole et l'action pour permettre à nos potentiels, à nos kohotes, à nos potentiels, à nos énergies, à nos capacités de s'exprimer comme il faut de la meilleure des manières. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de montée de grâce et de réussite matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker cette publication. Vous êtes sûrement l'intermédiaire et le transmetteur, le passeur d'un message qui pourra sûrement sauver une âme juive. Eloued Mourazaken ne l'attend de vous. À très 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 bientôt. Une très bonne journée à toutes et à tous. Ashreinu, 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 Matoy Chalkeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Chalkeinu, Umanayim, Umanayim, Megoraleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu. Umanayim, umanayim goraleinu, umayafa, yafa yerushateinu. Umanayim, nayim, nayim goraleinu, umayafa, yafa yerushateinu. Umanayim, nayim, nayim goraleinu, umayafa, yafa yerushateinu. Umanayim, umanayim goraleinu, umayafa. Yava Yerushalayinu, Umanayim, Umanayim Goraleinu, Umayafa, Yafa Yerushalayinu. Que des brachot à tous et à tous. Excellente journée.